Antoine, termine ton assiette. Dis papa, c'est qui le monsieur avec toi sur la photo? Ça, c'est Joseph. Un ami que j'ai connu en 40, pendant la guerre. On faisait partie tous les deux du même régiment. Tu peux nous raconter la guerre, papa? Tu sais, Antoine, la guerre, beaucoup de personnes ont encore du mal à en parler. Ah bon, pourquoi? On a tous été perdants pendant cette guerre. Et t'avais beaucoup d'amis là-bas? Je devais souvent m'en faire des nouveaux. Mais avec Joseph, c'était différent. Bon, les enfants, vous allez faire vos devoirs maintenant. Mais non, on aimerait connaître la suite de l'histoire à papa. Non, je ne pense pas que papa veuille en parler maintenant. J'ai l'impression de passer après ton travail. Tu sais très bien que c'est faux, Sharon. Pourtant, j'ai l'impression de penser à ces temps-ci. J'ai jamais. Es-tu au courant que mon travail est important? Là n'est pas le problème, Rick. Je ne te parle pas du temps que tu passes au travail, mais du temps que tu passes avec moi. Même à la maison, tu travailles encore sur tes dossiers. Mais bon sang, tu gères une société, tu peux comprendre ça? Non, Rick, justement, je ne comprends pas. Pour la journée. Il faudra bien que tu comprennes un jour. Je ne sais pas si je pourrais. Comment ça? Je crois que ça va faire un peu de temps. Tu ne peux pas nous faire ça. Laisse-toi encore un peu de temps. Il fallait réfléchir avant. Les enfants. Voulez-vous connaître l'histoire de papy pendant la guerre? Ouais, si tu veux. Et on est obligé de parler de ça? Vous savez, c'était des moments importants pour moi. Pendant la guerre, j'ai connu un ami qui s'appelait Joseph. Ici, votre papy est à côté de vous aujourd'hui. Ici, c'est grâce à lui. On était tous les deux dans le même régiment. Je me souviens toujours de cette journée à Barst en Lorraine, juste avant l'invasion allemande. C'était en 40, ça, non? Oui, et ce jour-là, on avait fait une photo. Et cette photo est très importante pour moi. Je la garde toujours sur moi. Ça, à gauche, c'est Joseph. Et moi, c'est celui de droite. La guerre nous a énormément rapprochés. Avec cette photo, on va être célèbre, Joseph. Tu rigoles, t'as vu ta figure, hein, au lieu de dire des conneries, donne-moi plutôt une clope, là. Hé, hey, t'entends ça? On dirait des avions, là-haut. C'est les Boches! J'entends encore cette sirène comme si c'était... C'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Les avions étaient tellement nombreux. Henri, relève-toi, on va te crever ici. Viens, 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 viens,
Je me souviens encore de tous ces visages effrayés. C'était la panique dans tout le régiment. À peine quelques minutes passées, l'infanterie était déjà là, prête à nous envahir. On venait à peine de regagner nos tranchées. On sait que ce n'était pas prêt du tout. On ne s'attendait pas à ce genre d'attaque. Joseph a eu beaucoup de mal. Il a été blessé par un éclat d'obus. Une blessure qui s'est très vite aggravée. Joseph, t'as un coup ! T'as un coup ! T'as un coup, bordel ! T'as un coup ! Votre groupe, il faut absolument renforcer la résistance à cet endroit-là. Ouais, là, mais pas de repousser, vous le passez d'ici, c'est bien. Allez, viens. Allez. Comment tu vas? Joseph, non! Viens, viens, écoute, on fait que les poulies, viens, faut qu'on parle! Non, viens! L'avenir, je ne le voyais pas comme ça. On ne le voyait pas comme ça.